Alors c'est un match amical qui nous attend aujourd'hui, mais compte tenu de l'identité des deux sélections, il y a quand même une vraie question de rivalité. Ouais, amical. Les plus fervents supporters n'aiment pas trop ce mot-là. Disons que ce sera tendu comme d'habitude entre ces deux sélections. On va retrouver aujourd'hui les États-Unis face au Mexique. C'est un match international que nous vous proposons de suivre avec nous aujourd'hui. Une rencontre test, l'occasion de voir l'état de forme de chacun et d'appliquer plusieurs schémas tactiques travaillés à l'entraînement. Et la voilà la frappe. Et l'excellente intervention du gardien. Attention à ce corner. Alors, le ballon qui est dégagé. La passe était appuyée, mais le contrôle est bon. John Anthony Brooks. Il faut trouver une option disponible. Le ballon qui change de camp. Contre-attaque peut-être. Irving Lozano. Il va pouvoir adresser un centre. Qu'est-ce qu'il va faire? On cherche la faille dans la défense adverse. Ah oui, le tir! Intervention du gardien au prix d'un joli plongeon, Pierre. Ouais, ouais, ça fait le boulot, c'est tout ce qui compte. Bonne intervention du défenseur qui a écarté le danger. Touche dans le camp adverse. John Anthony Brooks. Christian Pulisic. Ouais, l'ouverture du score. Oh, le but plutôt mérité, hein, vraiment, pour cette équipe. Ah ouais, complètement, même depuis le coup d'envoi, c'est elle qui se crée le plus d'occasions nettes. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Hector Herrera. Avec Lozano, il s'avance vers la surface sans danger pour le gardien qui accompagne ce ballon du regard. Il cherche une solution là, il essaye de trouver la faille. Ils ont vraiment la main mise sur le ballon et ils le montrent. L'ouverture. Tudor. Ouais, le ballon au fond. Magnifique. Là, le but, Pierre, après un splendide mouvement collectif. Ça, tu peux gagner avec une équipe de catcheurs, mais avec des bonnes passes, c'est sympa aussi. Ça fait donc 2 buts d'écart maintenant. 2-0. Le gars défendu, il a coupé la ligne de passe. Alors le ballon est perdu. Bonne intervention. Intervention parfaite. Hein. Bonne anticipation. Irving Lozano. Yedlin, allez dans le couloir. Il cherche des solutions là. Tudor. Non, la frappe n'est pas cadrée. Il se sentait en confiance après son but, alors il a encore voulu prendre sa chance. Les chiffres ne mentent pas avec l'occasion de but à laquelle on vient d'assister. Ça se confirme, on voit une défense en grosse difficulté aujourd'hui. Allez, action mexicaine, on va se porter vers l'avant. Il est bien placé, il peut centrer. Et ce centre qui est capté par le gardien. Pas beaucoup de temps additionnel, hein, seulement 2 minutes. Non, c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire. Nous sommes donc à la mi-temps de ce match.
les joueurs sont de retour pour cette seconde période. Allez, l'arbitre qui relance le match. Jesús Corona, Andrés Guardado, Raúl Jiménez. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Ça, c'est un bon ballon récupéré. Il frappe. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Irving Lozano, Raúl Jiménez. Et le ballon dans les bras du gardien. Christian Pulisic. Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec. Il cherche la solution pour tenter de revenir dans ce match. Carlos Rodriguez. Le défenseur se fait bousculer. Raúl Jiménez. Ouais, il repousse, ça joue. Un arrêt en deux temps pour le gardien qui a sauvé son camp sur ce coup. Et il a multiplié les gestes de grande classe pour finalement saisir du ballon. Bravo à lui. Sur l'aile. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, elle a été interceptée cette passe. Andrés Guardado. Rodriguez. Carlos Rodriguez. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Il faut trouver une option disponible. Il essaye de trouver la faille. Cherche une solution là. Un joli petit numéro de Tiki Taka. Sébastien Leggett. Le bon ballon. Ah, l'entraîneur il ose en tout cas. C'est plutôt bon signe pour la fin de match. Dos Santos. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Irving Lozano, Raúl Jiménez. Il vient buter sur le gardien qui était bien resté vigilant. Et encore une bonne passe. Il transmet ce ballon. Cherche une ouverture, bien sûr. Ah oui, c'est bien fait ça. Christian Pulisic. Oui, attention. Le gardien qui repousse, attention. S'il avance balle au pied. Sébastien Leggett. Ouais, très joli but. Ah, il n'avait plus qu'à conclure. C'était vraiment à bout portant. L'écart qui se creuse encore un petit peu plus dans ce match. C'est sûr que le score est lourd. Hein. Ouais, clairement, ce match tourne à leur avantage. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente, on voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer ce changement. Peut-être une bonne opportunité, attention. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Plus que 9 minutes à jouer dans cette rencontre. Irving Lozano. Qui est rendu au camp adverse. Et oui, bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Alors, attention à l'éventuelle contre-attaque. Ouverture. On cherche la faille dans la défense adverse. On cherche une solution. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Allez, après tout, pourquoi pas. Le gardien qui ne peut que repousser. C'est pas terminé. Récupération et peut-être une action dangereuse. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon, c'était au fond. Ce match amical qui se termine donc sur cette victoire facile. Il n'y a pas eu beaucoup de...